Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais expliquer la notion et la différence entre les deux mots persuader et convaincre. Dans les deux cas, il s'agit d'amener à croire, à penser ou à agir d'une certaine façon. Par contre, la façon dont on amène quelqu'un à agir d'une certaine façon est importante. Convaincre, c'est amener quelqu'un à admettre une certaine façon de penser en lui exposant les raisons qu'il peut avoir de l'adopter. Quand on veut convaincre quelqu'un, cela implique une démarche faisant plutôt appel à la raison avec des arguments explicites et rationnels. Et dans le mot convaincre, il y a aussi le mot vaincre. Cela évoque une opposition à la personne à convaincre. Persuader, c'est amener quelqu'un à croire, à penser, à vouloir, à faire quelque chose en jouant sur sa sensibilité par voie de séduction. C'est-à-dire quand on veut persuader quelqu'un, on suppose des arguments moins rationnels, mais plutôt émotionnels, avec plein sous-entendus. On recherche une attention complète de l'autre, aussi bien sentimentale qu'intellectuelle. Donc, mes deux exemples pour les deux mots, c'est avec mon dossier, j'ai convaincu mon responsable de l'investissement stratégique dans la nouvelle start-up. Fatigué, j'ai persuadé mon responsable que le recrutement d'un stagiaire va assouplir ma charge de travail. Voilà, ces deux mots sont très similaires, mais pourtant sont différents. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre la différence entre les deux mots. Merci.